Toi. T'es nouveau. Ta tête ne me dit rien du tout. Oh, tu dois être un de ces aventuriers fraîchement débarqués. Je me disais aussi que t'avais l'air un peu perdu. Viens voir, je vais t'expliquer deux, trois petites choses. Lui aussi fait un rire bizarre. C'est Krusty le clown celui-là. N'importe quoi. Mon Dieu, faut que j'arrête. Le tutoriel de base de jeu va commencer. Veuillez choisir votre maître de jeu. Regardez les explications sur la commande de base et essayez de faire bouger votre personnage. Lorsque vous maîtriserez les déplacements, allez parler à Rerisfall qui vous attend tout près. Salut à tous et on se retrouve pour ce nouvel épisode de Final Fantasy 14. Et le mec qui bouge pas mais qui tourne comme ça, ok. Ok, voilà. Et donc, on se retrouve avec Hérésie la Brute. C'est parti, hein. On va aller voir le monsieur Laris Flo débuter la quête. Lorsque vous lancez une quête, une fenêtre vous présentera brièvement son contenu ainsi que la récompense apparaît. Ok. Alors, bienvenue à Limsa Lominsa. Avant d'explorer la cité de Limsa, vous devez vous inscrire au registre. Bon, accepté, hein. J'imagine que tu meurs d'envie d'explorer les environs avant. Mais avant ça, tu vas devoir t'inscrire au registre des aventuriers. Je sais, c'est un peu casse-pied, mais c'est la règle. Bon, je vais changer de voix, hein, et puis voilà. Sans aucun respect, je m'en fous. Tu comprends qu'on peut pas laisser des inconnus rôder dans nos rues. Enfin, t'inquiète pas, ça sera vite expédié. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller à la guilde des aventuriers. C'est là-bas, regarde la porte. Pour y accéder, continue ta route tout droit et par la Greffar. Putain, ils ont des noms chelous. Il te montrera comment utiliser le monte-charge pour rejoindre le niveau supérieur. Le responsable des inscriptions s'appelle Baderon. Ne te laisse pas intimider par son air revêche. Il a un très grand cœur et est prêt à tout pour soutenir les aventuriers novices. Voilà, tu sais tout. Passe un bon séjour parmi nous et que la bienveillance du cristal te montre la voie. Quête acceptée! Tadadam! Vous venez de commencer votre première quête! Ça se fait, non? Référez-vous à la liste des objectifs à droite de l'écran pour progresser. Lorsque vous acceptez une quête, la liste vous apparaît à droite. On s'en fout! Allez, ne plus afficher l'aide. J'ai pas besoin d'aide, moi. Voilà. Si jamais je suis dans la merde, et ben tant pis pour moi. Alors du coup, c'est où? Parce qu'à droite, c'est là, ok. Ouais, c'est comme dans WoW. Je parle de WoW, ça y est. Allez. On va dans le monte-charge. Le quoi? Le monte-charge? Monsieur, pas parce que je suis gros que je dois prendre le monte-charge. Moi, je veux prendre l'ascenseur, il est où? Attends, en plus, je suis beaucoup plus gros que lui, en fait. Tapette. Alors, voyons voir. Ah, on s'en fout, on parle pas aux gens. Je suis pas quelqu'un caporal des tempêtes. Oh, intéressant. Ici, c'est le Bastion. Le Bastengage, une installation défensive située au rez-de-chaussée de la tour de l'Artimon. À l'origine, ce terme désigne les parapets qui bo les parapets, okay, qui bordent le pont d'un navire pour le protéger des vagues. Le gars, il a bugué sur l'air. L'idée, c'est que cet endroit sert de rempart contre toute attaque ennemie. Ici, c'est le bassin. D'accord, j'ai compris. Tu vas pas te répéter, non? Sergent des tempêtes. Bon, ben, on va voir le liftier. Ils ont tous des noms. Ça a tous des noms bizarres, ici. Greffar. Salut, l'ami. J'imagine que tu cherches la guilde des aventuriers, pas vrai? Dans ce cas, grimpe dans ce monte-charge. Sale gros. Non! Oui, je vais y aller. Bon, j'espère qu'on va commencer plein de quêtes, hein, que ce soit intéressant un peu.
Ah, comme vous pouvez le voir, vous voyez l'heure là, il est 21h31 à l'heure que je tourne. Et je tourne le même jour hein, parce que j'ai 14 jours de jeu en fait. Qui c'est qu'il faut que j'aille voir? J'ai 14 jours de jeu, donc je vais pas tarder, je vais enregistrer tout à la suite, comme je peux. Je dois voir Baderon, c'est lui là. Ouh, ça lag un peu. Hein. Ça lag un peu. Je reviens voir 2 secondes si j'ai pas quelque chose qui fait laguer. Ok. Donc, je sais pas si j'ai peut-être coupé avant. Je sais pas ce qui fait laguer, c'est pas grave. C'est pas grave! Baderon. En même temps, je tente une nouvelle façon d'enregistrer. Hein. On verra. On verra ce que ça donne. Bienvenue dans mon établissement, voyageur! La taverne du dauphin noyé, c'est le foyer de tout aventurier. Je m'appelle Baderon et je suis l'heureux propriétaire de cet établissement. Mon rôle est d'accueillir les aventuriers qui arrivent dans notre belle cité pour les guider et les épauler en cas de besoin. Je pense qu'on aura l'occasion de se voir souvent. Moi, je te le dis. Ah, j'ai tant de choses à dire. Par où commencer? L'Imsa Luminsa ressemble à un petit paradis avec son front de mer, ses plages et ses falaises, ses douces côtes que tu caresses le long. Désolé, je m'emporte. Mais la réalité est tout autre. Tu constateras très vite que certains de nos citoyens sont angoissés, voire dépressifs. Ils ont de quoi l'être. Mec, il a fait des pièces de théâtre toute sa vie. Entre les tribus barbares qui nous attaquent sans arrêt, les pirates qui menacent le fragile équilibre de la nation, et l'empire de Garlemald qui manigance on ne sait quoi dans le nord du pays, les raisons de s'enfer ne manque pas. L'île de Vilbrand a pas été épargnée par le courroux du dragon noir qui a ravagé Eorzea il y a 5 ans. Mais la terre est pas la seule qui porte les stigmates de la catastrophe. Tous les Limcéens conservent des séquelles dans leur cœur, leur corps et leur esprit, tu sais. Aussi étrange que ça puisse paraître, aucun survivant se rappelle de ce qui s'est passé ce jour-là. On se souvient juste que des héros se sont battus pour empêcher que le satellite lunaire d'Alamour s'écrase sur nos têtes. Et encore, même ce souvenir est vague, pour une raison inexplicable, personne n'arrive à se souvenir de leur nom ou de leur visage. Chaque fois qu'on essaye de se rappeler d'eux, c'est comme si une lumière blanche nous emplissait l'esprit. Je me demande même si ce n'est pas un complot du gouvernement. Pardon. C'est d'ailleurs à cause de ce phénomène qu'on a surnommé ces braves les guerriers de la lumière. Aujourd'hui, les Limcéens ont plus que jamais besoin des aventuriers pour chasser leurs vieux démons et tourner définitivement la page des années sombres. Est-ce qu'on peut compter sur ton aide? Ouais. Merci. En contrepartie, le vieux Baderon... Le vieux Baderon fera tout son possible pour t'assister dans tes démarches et t'apporter des informations utiles. Vieux ne veut pas dire malade, hein, mais bon. Bon, assez bavardé. C'est un vieux avec une voix de jeune. Inscris ton nom en bas de la liste. La vache, t'écris comme un pied. Oh, mais je t'emmerde. Hérésie la brute, c'est ça? Oui, et c'est parce que j'ai des gros doigts. Pas ma faute. Eh bien, chère Hérésie la brute, te voilà officiellement membre de la guilde des aventuriers. C'est le bienvenu dans notre grande famille. Hé, hey, l'aventurier! T'étais à bord du transporteur qui vient d'arriver, pas vrai? Ouais!
Il paraît que des pirates vous ont pris en chasse pendant la traversée. J'ai entendu dire aussi que t'étais sorti sur le pont quelques minutes avant l'attaque. Tu leur as envoyé des signaux, pas vrai? À vous! Allons, monsieur l'officier. Ce jeune homme est le cousin germain du neveu de la sœur du père de notre défunte grand-mère. Vous iriez pas jusqu'à accuser un membre de ma famille, quand même? Le neveu de la sœur... Que... Je suis perdu. Elle m'a embrouillé, là. Je vois. Toujours est-il qu'il faut être vigilant avec les étrangers. Famille ou pas famille? T'as forcément entendu parler de ces histoires d'enlèvement, toi aussi. Je sais. Puisque vous êtes là, que diriez-vous de prendre un bon verre de rhum? Je viens juste de recevoir une nouvelle cargaison. J'espère qu'il est meilleur que celui auquel j'ai goûté l'autre jour. On aurait dit de la pisse. Vous êtes dur, monsieur l'officier. Nos boissons sont certes bon marché, mais elles restent parfaitement propres à la consommation. Installez-vous. Donc, à la table derrière, je vous apporte ça tout de suite. Je suis insoumis. Mon dieu. Excusez-les, ces individus appartiennent au casque jaune, l'unité chargée de la sécurité publique dans la cité. L'IMSA Lorinsa est le théâtre d'une série d'enlèvements depuis quelques lunes, et comme l'enquête piétine, ils ont les nerfs à fleur de peau. Les Limséens sont libres et vigoureux comme la mer. Aucun peuple en Eorzea n'est aussi ardent. Rassure-toi, ils ne sont pas dangereux pour autant, sauf quand ils ont un coup dans le nez. Où en étais-je? Ah oui, maintenant que tu es inscrit au registre des aventuriers, tu es libre de circuler de ton gré dans la cité. Si tu veux, je peux te donner quelques conseils pour t'aider à trouver tes marques. Souffle un coup et reparle-moi quand tu seras prêt. Oui, ça, j'ai gagné des sous. Quête accomplie, tada! Le tutoriel de base est à présent terminé. Vous avez fait vos premiers pas en tant qu'aventurier. Ça, le miel, là. Un vaste monde vous attend au-delà des portes de la cité. À vous d'explorer les merveilles d'Eorzea. Oh, ça, je... Ah, j'arrive pas à lire. Ok. J'ai pas lu la suite, du coup, c'est pas grave. Allez, donne-moi ta quête. Bon, on va arrêter. Donne-moi ta quête, là. Oh oui. Baderon voudrait vous faire découvrir trois endroits importants de la cité. Ok. Excuse-moi, je vais pas faire la discussion à chaque fois, parce que sinon on en a pour des heures. Donc il veut me faire visiter la cité. Ouais, ok. Fais-moi visiter la cité. Ta gueule! Ta gueule! Visite. J'ai vraiment l'impression d'être verte. Quête acceptée! Ah, une autre quête. Ninia. Qui échange toutes sortes de bons tuyaux et dauphins. Okay. Bonjour! J'ai entendu dire que tu débutais dans le métier d'aventurier. Ça tombe bien, j'ai une information qui devrait t'aider à faire tes premiers pas. J'ai aperçu de drôles de plantes éparpillées sur le sol du bastingage à l'étage en dessous. Ça m'avait tout l'air d'être des fleurs de rêve, une substance illicite. Comme tu le sais, l'IMSA Lorinsa est un grand port de commerce, on y voit des marchands venus de tout et hors Eorzea, et il n'est pas rare que certains se livrent à la contrebande des produits illégaux. Donc si tu trouves quelque chose du genre, je suis sûr que les autorités te récompenseront. Ok, j'ai compris. Quête acceptée. Il n'y a pas d'autre quête ailleurs, on sait jamais. Donc on va descendre. Bonjour! Tu vas aller au bastingage, dis-tu? Dans ce cas, grimpe dans son nom de charge! Je fais très bien les voix des gonzesses, arrêtez. Oui, je fais bien les voix des gonzesses! Alors, t'es qui, toi? Ah, c'est un personnage. Ok. Donc il faut ramasser les fleurs suspectes. Allez, c'est parti.
Alors. Ramasse! Il met du temps à ramasser quand même. Oula! J'ai des baisses de FPS. Je suis pas sûr que ma méthode d'enregistrement convienne à tout le monde. Hein. En tout cas, pas mon PC apparemment. Oulala! Petite pause. Bon, je sais pas si ça va faire quelque chose, mais on verra. Allez, prends les fleurs. De toute façon, c'est un même move, fallait pas que je m'attende à ce que ça ne rame pas. Hop, fleurs suspectes. 5 sur 6. Et la dernière. 6 sur 6, oui, j'ai fini! Faut que j'aille la rendre. Mais d'abord, il y a une quête ici. Jnassim. Salut, Jnassim. Jnassim a besoin de l'aide d'un aventurier. Excusez-moi, mais auriez-vous un peu de temps à me consacrer? Il faudrait déposer ce colis à la société de négoce de l'Edelweiss. C'est à côté de l'escale du pêcheur. Ouais, ok, ok, ok. J'accepte. J'accepte. Oh. Il a bugué. Ah, quête acceptée. Ça a mis du temps, hein, je sais pas pourquoi. On visite en attente. Là-bas, il y a une autre quête. On va aller la prendre. Écoutez, hein. Je sais pas comment ça marche, le système de quête. Je vais voir la map. On va l'agrandir par contre, parce que sinon je vais rien voir. C'est l'intention qui compte. Je sais pas du tout. La pêche au bateau. Relais à Chocobo. Déjà je suis mort. Qui c'est qui rigole? Ok, bah je sais pas, écoutez. On verra. Alors, toi. Le marchand gobelin a besoin d'aide. Pourquoi faire? Psst, psst. Swatnix est un gobelin très honnête et veut faire de bonnes fortunes. Mais Swatnix a peur de remettre sa lettre à la douane de Melvan. L'aventurier va donc aller à sa place et donner la lettre. Atalchra, d'accord? Ok, bon, ça commence à faire beaucoup de quêtes, hein, tout ça. Non? Ah, là-bas, je peux rendre une quête. Alskif, je sais pas. C'est quoi, Alskif? Salut, Alskif! Salut, Moussaillon! Je suis effectivement Alskif, le capitaine de l'Orion. Qu'est-ce que tu m'apportes là? Des fleurs du rêve, tu dis? Bah voyons voir ça. Échanger. Par toutes les mers, mais tu as raison, ce sont bien des fleurs de rêve. Elles sont prohibées parce qu'elles servent à préparer du somnus, une dangereuse substance qui plonge ceux qui la respirent dans une torpeur mortelle. Moi, je t'ai bien eu, hein. Sache qu'il s'agit simplement de la vente d'Arctique, une spécialité de l'Imsa Lominsa. Et j'en ai fait justement le commerce, il faut croire que celles que tu as trouvées sont tombées lors du transfert de ma cargaison vers le port. Je ne sais pas qui t'a envoyé ici, mais j'imagine que cette personne a voulu te faire une farce, un bizutage en quelque sorte. Console-toi en te disant que ça t'a permis d'en savoir un peu plus sur notre belle cité. Et puis, qui sait, on aura sans doute l'occasion de se revoir. Alors j'ai gagné deux potions, un éclat de terre. À quoi ça sert? Un éclat provenant d'un vaisseau de terre. Invendable. Catalyseur d'artimental. L'enfoiré! Oh, le fils. Ah, il me donne une quête du coup.
le capitaine du navire marchand a une information importante. Écoute, Moussaillon, pour te remercier de m'avoir apporté ces fleurs de lavande, je vais te dire quelque chose d'intéressant. Figure-toi que j'ai été interpellé par un drôle de type qui avait l'air d'un marin l'autre jour. Il m'a dit qu'il me payerait bien si je lui présentais des aventuriers, sans non plus entrer dans les détails. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve ça très louche, ça ne m'étonnerait pas que ce soit pour des enlèvements. J'aimerais donc que tu préviennes Glazrael, des casaques jaunes. Ah, c'est casaques, moi je croyais que c'était des casques. Ok. Elle est en poste à l'entrée de la Camelotade Est. Montrer aux autorités que tu te soucies de la sécurité publique ne peut être que bénéfique, crois-moi. Ok, on va remonter là-haut. Parce qu'apparemment c'est là-haut qu'il faut aller. Et on va casser la gueule à celui qui m'a fait le bizutage. Enfoiré. Alors. Apparemment il faut monter. Oui, je veux aller à la guilde des aventuriers par ce monte-charge de merde là. Oh. Alors apparemment c'est par là-bas, donc on se dépêche, j'ai dit, cours vite. Putain, je suis lent. C'est par là-bas, apparemment, l'octan, d'accord. Là, je te vois. Où il y a du monde. Merci pour votre déposition, jeune homme. Nous notons effectivement une augmentation des disparitions ces derniers temps. Je vais redoubler de vigilance. J'aimerais d'ailleurs que vous alliez aussi prévenir à la Camelotade Est. Comme elle est souvent en contact avec les aventuriers, elle devrait pouvoir diffuser sa savoir. Mais je viens d'y retourner, bordel. Allez, à tout de suite. Donc en fait c'est par là-bas, hein. Je me suis trompé. Alors c'est par où? Voilà, d'accord, c'est par là-bas. Place de l'Éthérie. C'est là-bas! Je te vois! Salut à toi aventurier, sois le bienvenu à la Camelotade, le plus grand marché du pays. Nos étals, pardon, sont constamment inondés de produits de première qualité en provenance des sept mers. Et au-delà, je t'aurais volontiers proposé qu'on fasse le tour des échoppes ensemble. Mais il se trouve qu'un cargo de marchandises vient tout juste d'arriver à quai. Et comme l'un des débardeurs... Le débardeur est malade, d'accord, ok, un débardeur. Mon débardeur, il est malade. Je dois trouver quelqu'un pour le remplacer. Pardon, Baledra, mais je n'ai ça. Octan rouillé, ouais. Mais c'est mon octan, j'ai dû le faire tomber de ma poche par mes gardes l'autre soir. Il faut dire que j'étais complètement bituré. D'ailleurs, le vieux Baderon n'emmenait pas large, lui non plus. En tout cas, c'est bien brave à toi de me l'avoir apporté. Cet outil est un souvenir de l'époque où j'étais encore capitaine et j'y tiens beaucoup. Pour te remercier, je vais te donner quelques tuyaux sur le quartier commercial. Un aventurier novice comme toi devrait pouvoir trouver son bonheur dans les deux allées de la Camelotade. Si tu veux te concentrer au combat, visite les magasins d'armes et armures. Nos marchands te proposeront une sélection d'articles de qualité venus des quatre coins du territoire. Tu n'auras que l'embarras du choix. Si tu cherches plutôt des matériaux ou des remèdes, visite des drogueries et les apothicaires. Là encore, tu trouveras certainement ton bonheur. Quand tu comprendras un peu mieux qui vend quoi, tu pourras commencer à essayer de faire des affaires. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire pour le moment. À toi de parcourir les échoppes pour apprendre par toi-même ou dénicher les meilleurs produits à bon prix. Après tout, ça fait aussi partie de l'aventure. Parler à Zwasblaed. Donc on va parler à Frindwind. Bonjour, vous êtes au comptoir des servants. En quoi puis-je vous aider? Comment? Xlael vous envoie me dire de faire attention à un étrange marin qui cherche à piéger des aventuriers? Très bien, je vais rester aux aguets. C'est que beaucoup de marchands et d'aventuriers viennent ici à la Camelotade et on n'est jamais à l'abri d'un méfait...
Je vais lâcher cette vigilante et signaler tout individu et suspect. Merci d'être venu. J'accepte. Quête accomplie. Et c'est sur cette quête accomplie que je vous laisse et que je termine cet épisode. Un superbe final, hein, on va dire. Quête accomplie d'une quête super dure. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère vous retrouver bientôt dans les prochaines prochains épisodes, hein, parce que je vais en tourner encore plein durant ces 14 jours d'essai. Et ben voilà, hein, je vous dis alors à tous bisous, hein, et bye bye.